Ici ActuSF aux Utopiales 2009. Donc, bonjour Maya. Bonjour. Alors Maya, tu as sorti donc un nouveau livre qui s'appelle Dehors les chiens les infidèles. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, Dehors les chiens les infidèles, c'était donc c'est sorti il y a un an. C'est un livre de vraiment fantaisie pure et dure, mais remis à ma sauce, évidemment. Donc j'ai gardé des codes de la fantaisie, la quête, les jeunes héros, les chevaliers, les combats, l'aventure. Et j'ai enlevé ce qui, moi, personnellement, va m'ennuyer dans la fantaisie, c'est-à-dire un peu le folklore, Seigneur des Anneaux. Donc, pas de dragons, pas d'elfes, pas de gobelins, de choses comme ça. Et pour garder, finalement, ce qui fait l'intérêt de la fantaisie et ce qui en fait quelque chose de différent du roman historique, par exemple, j'ai remplacé la magie par la religion pour garder quand même une dimension fantastique. Donc, mes personnages, au lieu de faire des sorts, au lieu d'invoquer des esprits surnaturels, prie Dieu et ensuite les prières sont écoutées ou pas c'est un roman de fantaisie sur la foi chrétienne. Donc je me suis servi vraiment des bases culturelles qu'on a tous et ça a aussi un avantage en tant qu'auteur, c'est que quand on a une magie qui est la foi dans laquelle la plupart d'entre nous ont été élevés ou au moins la culture dans laquelle on est élevé, on n'a pas besoin d'expliquer que y a le Christ, on n'a pas besoin d'expliquer les saints. Donc c'est très très facile finalement pour un auteur de s'appuyer là-dessus et de faire jouer à la religion le rôle de la magie. Et donc en parlant de religion, donc il me semble que tu m'avais dit que tu étais athée. Comment on aborde ce sujet en fait, qui n'est pas toujours très simple? J'ai laissé mes opinions à la porte du bouquin et je pense que c'est pour le mieux parce que ensuite la religion c'est un sujet très personnel. Je sais que beaucoup de gens sont capables de prendre les choses de manière assez personnelle. Moi je trouvais pas que ça aurait apporté grand-chose de savoir par exemple que j'étais athée. Je pense qu'on peut lire le livre et se dire que je suis croyante. Et la religion c'est finalement quelque chose de très varié. Ça s'est tellement intermêlé avec notre culture que est-ce qu'on peut vraiment dire que la religion est bonne ou mauvaise? On ne sait plus trop. Par contre, on sait que culturellement, ça nous a donné des cathédrales et des bûchers. Et je voulais que ces deux extrêmes, finalement, de la religion soient donnés et décrits dans le livre. Donc il y a des choses horribles et il y a des choses magnifiques. Et ensuite, c'est le lecteur qui fait son choix. Et ça aurait été assez infantilisant et peut-être même un peu insultant pour le lecteur de dire regarde, moi, Maya Mazoret, je vais t'expliquer la vie sur la religion. Même si je pense que j'ai maintenant beaucoup lu sur la question et beaucoup réfléchi sur la question, c'est pas que j'ai pas d'opinion du tout. J'en ai une, je suis vraiment athée et je pense que les gens qui croient en Dieu feraient mieux d'arrêter. Mais ensuite, quand j'écris un livre, le lecteur, il n'a pas besoin de savoir ça. D'accord. Ton livre va être publié donc chez Folio SF en octobre 2010. Alors pour toi, le fait de passer au format poche et puis dans cette édition-là, alors est-ce que c'est une reconnaissance? Qu'est-ce que ça t'amène? C'était mon rêve d'enfant, hein. Certaines petites filles veulent être Miss France. Moi, je voulais être chez Folio SF. Mince. Non, plus sérieusement, passer en poche, ça veut dire pour moi rentrer dans la cour des grands. Pour l'instant, j'avais l'impression de dire, bon, d'accord, j'écris un livre, mais quand on écrit un livre, il reste quoi en librairie 2 mois, 3 mois au mieux. Donc on est très très vite finalement expédié en dehors des sphères des bibliothèques et des librairies et passé en poche, ça veut dire que là on va peut-être avoir le temps de constituer un lectorat. En plus, les livres, c'est trop cher. Objectivement, donc je suis ravie de toucher des droits d'auteur, mais je trouve que 20 €, 21 €, 22 € pour un livre et pour un auteur comme moi que les gens découvrent. C'est trop, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui lisent et beaucoup de gens qui sont fans de SF et de fantasy, qui en plus sont étudiants, qui sont jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et je suis très 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 contente et soulagée de pouvoir toucher un lectorat qui va pouvoir se permettre d'acheter un livre au prix que ça devrait coûter normalement. En plus, si j'avais pu choisir entre toutes les maisons de poche, j'aurais aimé être chez Folio. Et je dis pas ça parce que j'y suis, je dis parce que je le pense. Pour moi, c'est être avec les meilleurs. Et pas seulement d'ailleurs en fantasy et SF. Le fait qu'il publie Chuck Palahniuk, qui est un de mes auteurs préférés, je me dis, wow, entre les M et les P, finalement, je vais pas être loin. Et ça, c'est vraiment, vraiment une grosse reconnaissance.
Je voulais te demander, tu as aussi écrit Rien ne survivra, donc publié chez Memnos. Donc là, c'est plus science-fiction. Alors, donc entre science-fiction, fantasy, finalement, qu'est-ce que tu préfères écrire? C'est de la science-fiction très soft. C'est plus de l'anticipation. Ça se passe quasiment maintenant. Il n'y a pas de grand changement par rapport aux armes utilisées. Donc c'est très guerrier. Donc c'est pour ça que je parle des armes. C'est finalement très contemporain. Donc c'est plus de l'ordre de l'Uchronie. Et j'avais envie, moi, de toute façon, d'aborder les deux parce que le genre dans lequel j'écris n'est pas du tout important. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire qui m'importe. Donc là, j'avais un sujet qui, à mon avis, n'a pas fini d'être traité par les auteurs, qui est le conflit intergénérationnel. Il se trouve que là, le meilleur moment pour en parler pour moi en tant qu'auteur, je trouvais que c'était maintenant ou alors dans quelques années. Parce que si on regarde les journaux, on voit bien que maintenant, entre les gens plus âgés et les gens plus jeunes, il y a des tensions sur les retraites, sur l'écologie, sur plein de choses. Donc je trouvais ça logique pour moi de situer cette histoire à cette époque maintenant. Ensuite, si le meilleur moment pour parler de conflits intergénérationnels, ça avait été la Rome antique, j'aurais fait la Rome antique. Et si ça avait été avec des extraterrestres, j'aurais fait les extraterrestres. Ça n'a vraiment aucune importance. C'est comme pour Dehors les chiens, les infidèles. Il se trouve que je trouvais que ce sujet de la religion que j'avais envie de traiter, ça passait plutôt mieux au Moyen-Âge que maintenant, parce que les gens étaient beaucoup plus religieux et beaucoup plus premier degré par rapport à la religion que nous, on l'est maintenant. Donc c'est toujours la thématique qui ensuite va changer le genre. D'accord. Alors donc, est-ce que tu as peut-être d'autres projets dont tu as envie de nous parler? Donc peut-être donc la Rome antique avec les extraterrestres ou autre chose? Autre chose. non, non, c'est pas ça. C'est que pour se nourrir, car il faut bien savoir que les livres, c'est merveilleux, mais par contre, la fantasy et la SF, pour l'instant, sont loin de me nourrir. Donc, je fais de la bande dessinée à côté. Et là, tous les prochains projets sont en bande dessinée ou alors en sexualité, ce qui est mon métier ensuite à côté en tant que journaliste de sexologie. Donc il y a deux livres qui vont sortir en janvier, un sur le râteau et un sur les sites de rencontres. Et le reste, c'est de la bande dessinée. Ensuite, pour de la fantasy et de la SF, j'attends encore un petit peu de voir. C'est pas l'inspiration qui manque, hein. Évidemment, avec des univers pareils, c'est impossible. Mais c'est des projets qui sont très longs à porter. Et là, pour l'instant, y a d'autres choses que je dois faire avant. Mais j'ai des idées encore. J'ai envie de refaire de la fantaisie notamment. Ah, merci beaucoup, Maya.